Alors, nous sommes le vendredi 17 février. Je vais essayer de mettre la perche correctement et ne plus bouger. Il est 9h15, 9h20, quelque chose comme ça. Je suis levée, je suis réveillée depuis un petit moment, mais levée depuis peu de temps. Je viens à peine de me faire mon thé qui est en train de... Enfin, il n'est pas en train d'infuser, il est en train de refroidir un petit peu parce qu'il est trop chaud. Au programme aujourd'hui, alors comme d'habitude, si je vous emmène avec moi, c'est que j'ai des choses à faire parce que clairement, hier j'aurais filmé ma journée, vous m'auriez vu ici dans mon canapé toute la journée. Donc voilà. Donc au programme, je dois faire ma valise puisque pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, elles le savent déjà, mais en fait ce week-end, Doudou m'emmène à Milan et donc voilà, on part demain matin tôt, donc il faut que je fasse les valises cet après-midi. Enfin, cet après-midi ou ce matin, plus ce matin quand même. Donc voilà, donc il faut que je fasse les valises. Donc vous aviez été nombreuses à me demander si je pouvais faire une vidéo comme ça où je montre ce que j'emmène, etc. Donc pas de problème. Même si voilà, on part que 3 jours, donc il n'y aura pas grand-chose, même si je me connais et que j'emmène toujours trop. Mais bon, voilà. Autre chose, cet après-midi, je vais chez le coiffeur, c'est pour ça que mes cheveux sont gras et pas beaux et attachés, etc. Je vais couper parce que voilà, j'avais laissé pousser pour le mariage et je m'étais dit peut-être que je laisserai pousser et tout et tout. Et en fait, non, ça me va pas cette longueur. Ils sont là et je trouve qu'ils sont trop longs. Donc voilà, je préférais quand ils étaient un petit peu carré plongeant et un petit peu plus, plus court, quoi, que ça me dégageait la nuque. Donc voilà, donc je vais faire couper tout ça cet après-midi. Je suis en train de perdre un petit peu ma voix, mais c'est pas grave. Sinon, sinon c'est tout. C'est tout. Pour une fois, je vais pas faire mon ménage dans cette vidéo, puisqu'il est déjà tout fait, ma maison est nickel, donc je suis ravie. Donc voilà pour ce qu'il en est du programme d'aujourd'hui. Donc je vous emmène avec moi, comme d'habitude. Comme ça, vous verrez ma tête avant, vous verrez ma tête pendant et vous verrez ma tête après. Je suis en train de perdre ma voix, ça va pas le faire du tout. Donc voilà. Et sinon, Milan, j'ai reçu le petit bouquin, puisque j'avais posé la question sur Instagram. Et j'ai une personne qui m'a dit, achète le Cartoville et... Et il y a tout dedans, c'est super bien expliqué, etc. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc il faut que je me renseigne un petit peu sur les blogs, ce qu'il y a à faire et tout. Parce que voilà, on va y aller 3 jours, donc autant que je regarde ce qu'on peut faire, ce qu'on peut visiter, etc., etc. Voilà, c'est tout. Bon allez, je vais prendre mon thé et puis on se retrouve après, une fois que je serai au moins le visage et habillée. Parce que je vais peut-être pas rester en pyjama toute la journée. Donc voilà, on est parti. Bon, petit déj prêt, donc comme je vous ai dit, je me suis fait un petit thé. Ce matin, j'avais envie de Nutella, donc voilà, je me suis fait des tartines de Nutella avec du pain que j'avais dit hier, donc que j'ai fait griller. Et je me suis fait un vrai jus d'orange pressé parce que j'en avais trop envie. Voilà, et je suis en train de perdre ma voix. Mais tout va bien se passer. Donc voilà, je déjeune et après, je vais aller me préparer, prendre une douche et ça va me faire du bien. Voilà, on est parti. Bon appétit si vous êtes en train de déjeuner, en train de manger, en train de dîner, tout ce que vous voulez. Et moi, je vais manger parce que j'ai faim. Bon, je me décide enfin de bouger de mon canapé. C'était très compliqué, mais en même temps, j'avais pas envie. Donc voilà, j'ai pas bougé du canapé. Là, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me préparer, maquiller, habiller, etc. Et puis après... après je pense que je vais me bouger les fesses pour y aller. Ça y est, je suis maquillée, habillée, ça fait du bien. Donc au niveau de mon maquillage que je vous présente un petit peu, j'ai testé le nouveau fond de teint infaillible de L'Oréal que j'ai acheté pendant les beautés Leclerc, donc juste hier. Il est vraiment super bien, je l'adore. J'ai également maquillé mes yeux avec la palette de chez Adopt, un regard délicat, donc qui est une palette de 12 fards qui se présente comme ceci. Donc vous avez un petit pinceau double embout à l'intérieur, vous avez une petite glace. C'est une palette qui est super légère. Franchement, pour emmener en week-end ou quoi, c'est vraiment super pratique. Je pense que c'est celle-ci qui va partir avec moi à Milan. Tu as cette chance de partir à Milan. Donc voilà, je vais la mettre dans ma valise.
Et sinon, au niveau du mascara, pareil, pendant les beautés Leclerc, je me suis laissée tenter par le Fossils Push-Up Drama de chez Maybelline. Il est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Lip and Kiss Velvet, le numéro 3, de chez Adopt. Donc, voilà. Je vais pouvoir mettre mes baskets au niveau de ma tenue. Alors, que je vous montre. Il n'y a rien d'extraordinaire puisque j'ai un jean très très simple et j'ai un haut blanc, voilà. Rien d'extraordinaire, je vais mettre un gros gilet, il fait pas très très froid mais bon, je vais mettre quand même un gilet. Et puis voilà, je vais mettre mes chaussures et puis on va pouvoir partir. Est-ce que vous voyez petite Goji derrière? Bon, fais dodo, va, t'es crevée. Voilà. Elle l'aime trop ce plaid à pompons. Enfin voilà, donc je vais mettre mes chaussures et je vais y aller. Au niveau des boucles d'oreilles, ce sont des... Parfois, je crois. Je crois que c'est des parfois que j'ai acheté en solde, donc vraiment parfait. Et sinon, au niveau des bijoux, j'ai mon alliance et j'ai ma bague de fiançailles. Et de ce côté-là, j'ai une grosse bague que je viens d'acheter sur une vente, les bijoux Victoria. Donc voilà, puisque ma voisine fait des réunions, donc voilà. Voilà, voilà. Je vais laisser Goji dormir tranquille. Je vais prendre mon portable, je vais mettre mon gilet. Quel gilet je vais mettre ? Un gris, j'aimerais bien. J'aimerais bien mettre un gris. Hop. Celui-ci. Bon, c'est parti. On va mettre les chaussures. Et puis, on va y aller. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Il faut absolument que je termine ma valise en rentrant du coiffeur. Parce que je me vois pas la faire ce soir ou demain matin. Surtout que demain matin, on part très très tôt. Donc voilà, là je vais y aller. Il faut que j'aille faire le plein de ma voiture. Et après, il faut que j'aille chez le coiffeur et voilà, je vais prendre soin de moi. En plus, ma coiffeuse, elle me masse la tête et tout, ça va faire trop du bien. Donc voilà, de toute façon, je vous filmerai une fois après pour vous montrer ma tête, en sachant que je veux couper. Donc voilà, je vais couper. J'ai besoin de changer de tête, donc demain, donc cet après-midi, je coupe les cheveux. Voilà. On est parti. Bon, que je vous explique, il est 17h10, je sors de chez la coiffeuse, donc elle m'a bien coupé. Je suis ravie, puisque j'avais besoin de couper et tout. Et là, je suis dans les bouchons. Mais quand je vous dis dans les bouchons, c'est dans les bouchons. Ça veut dire que depuis 20 minutes, j'avance de 10 cm par 10 cm. Et c'est pas une blague. Voilà, mais tout va bien. Donc, je vais vous laisser là parce que ça commence à avancer un petit peu et je vais pas prendre de risques surtout. Donc voilà, on se retrouve une fois à la maison. À tout à l'heure. Alors, il est 18h10. Je vous ai pris la caméra il y a exactement une heure. Je viens de sortir des bouchons tout juste. Là, je viens de passer faire le plein de la voiture puisque il y en avait bien besoin. J'en ai plein les pattes. Franchement, la prochaine fois que je prends rendez-vous chez le coiffeur, c'est pas à cette heure-là parce que c'est en plein dans Lyon, donc je me tape les bouchons à chaque fois. Donc voilà, je vais reprendre la route, je vais rentrer à la maison et on se reprend après. À tout à l'heure. Bon, il est 19h20, donc c'est bon, je suis bien rentrée à la maison. Ça fait quoi, 40 minutes que je suis là, Doudou? Oui. À peu près. Voilà, les bouchons lyonnais, voilà. Donc j'ai préparé à manger pour ce soir et après on va faire les valises puisque j'ai rien avancé des valises, donc voilà. Donc au menu ce soir, j'ai fait des petites courgettes sautées avec des petits lardons et également du poisson. Alors le poisson, c'est du merlan. Donc voilà, avec un petit peu de persil et puis voilà, ça ira bien. Donc voilà, je vais dresser les assiettes et on va manger et après on va s'occuper des valises. C'est parti, à tout à l'heure. Alors, il est 22h moins quart, 10h moins quart. Je suis actuellement en Insta direct avec les filles qui sont là. Donc les filles, il y a Blondie, il y a Caroline, il y a Maman Zèbre, Saperlipopette... Sarah, Anna Chamalo, il y en a plein. On vient de faire un Insta direct et c'était assez agréable. Je leur ai montré mes suspensions. Il y a Lily Cuisine aussi, il y a Laetitia, il y a Corinne, il y en a pas mal. Et voilà, c'était super agréable. Donc voilà, je finis l'Insta direct et après on s'attaque à la valise et puis je vous montre tout ça. À tout à l'heure. Bon, enfin, valise terminée pour moi. Doudou est en train de faire la sienne. Hop, hop, hop. On a chacun la même valise, lui en noir et moi en rose.
Hop, et donc au niveau du vanity, alors j'ai déjà un vanity qui est déjà pré-rempli, puisque quand je pars, quand je pars chez mes beaux-parents, en fait, je prends toujours le même vanity, donc c'est assez pratique. Il y a des choses qui sont dedans, donc c'est pratique. Juste dedans, je vais rajouter les petites lingettes HydroBoost de Neutrogena avec la crème hydratante, puisque c'est une crème que j'adore. Elle hydrate super bien la peau. Moi, ça me fait un bien fou. Elle est repulpée et tout, je l'adore. Et je vais prendre également les deux produits de chez Aven de la gamme Trixera. Donc comme ceci, pour les peaux très très sèches, puisqu'en ce moment j'ai la peau qui fait de l'écaille de poisson. Donc voilà, lait pour le corps et gel douche, donc c'est dans mon vanity et je pars avec en Italie. Voilà, et sinon je prends comme d'habitude mon petit spray pour les cheveux de la marque Propovita. Donc voilà pour ce qu'il en est de mon vanity. Je vais le fermer et on va pouvoir aller mettre la valise et le vanity dans le coffre de la voiture. Voilà, en sachant que j'ai pris seulement des pantalons, enfin j'ai pris des jeans, j'ai pris des pulls et des choses un petit peu moins chaudes parce que j'ai regardé la météo et il fait pas très très chaud quand même. Donc voilà, je vais partir avec ma doudoune et mes pulls, bien entendu. Et voilà, s'il fait trop chaud, j'enlèverai une couche ou une deuxième couche, etc. Et puis voilà, ça va le faire. Donc voilà, je vais pouvoir aller mettre tout ça dans le coffre de la voiture. Doudou termine sa valise et on va pouvoir tout mettre dans le coffre de la voiture. Et après, on va aller se coucher parce qu'on se lève dans 6 heures, moins de 6 heures. Donc voilà, ça va piquer. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée avec moi. Je vous fais plein 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 de bisous. Prenez soin de vous et à très très vite. Bisous.